Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Elite Dangerous Horizon. Nous allons donc pénétrer dans Rodrigue, voilà, j'ai enfin pu le dire. Je vais pénétrer dans Rodrigue après lui avoir demandé l'autorisation qu'il m'aura donnée. Je le remercie. Voilà, peux-tu me donner l'autorisation de te pénétrer, Rodrigue? Oh, j'ai le droit, ah bah c'est cool. Merci. Alors déjà, je vais me poser sur toi parce que je suis pas du genre passif. Oula, t'as pas idée. Alors. On n'est pas dans le bon sens. On va essayer un truc. On va essayer un truc. Hop là. On va essayer de se garer en marche arrière. Oula, je suis pas bon. Qu'est-ce qu'il se... Ah oui, merde, je suis parti dans l'autre sens, je suis con. On n'a pas réussi le... De se garer en marche arrière, c'est dommage. Où est-ce qu'il est... Oula, là, 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 c'est la catastrophe. Elle est là? Oh, je suis mauvais, j'ai mis autant de temps pour me garer. C'est la 3. En plus, je crois que je me garais sur la 2 il y a 2 secondes. Je suis pas sûr. Catastrophe. Wow. Oula, je suis alcoolisé moi aujourd'hui. Rien ne va plus. Hop. Oh là là, ça fait trop longtemps que j'ai pas piloté le vaisseau, j'ai piloté trop le VRS. Donc voilà, plein de carburant du VRS, on entre dans l'hangar, service de spatioport, on va quand même aller voir plus ou moins ce qu'on a là-dedans à donner. On a scanné 2-3 petites choses, alors ça m'intéresse, j'aimerais savoir où est-ce que je suis censé... D'accord, donc c'est bien ça. Ce que j'ai scanné là me vaut de l'argent, je pense. Je sais pas. Attendez, encaissez... Ah non, voilà, dossier d'information. Bah écoute, je vends tout, si tu veux, oui. Encaisser toutes les primes, si tu veux, oui. Y a pas de souci. Ok, d'accord, c'était simplement ça. On va faire le plein, maintenant c'est avancé. On va faire l'intégrité du vaisseau quand même. La livrée, on va la repeindre en or, hein. L'or c'est beau. Ok. Bon bah on est bon finalement. Ça se passe pas trop mal. Je suis curieux quand même. On est où déjà par rapport à notre ami le Douala? La Douala. Alors, est-ce qu'ils vont être affichés ici? Non, sans doute pas. Ah, on n'est pas si loin, j'ai l'impression. On est si peu loin que ça? Je sais si ça veut dire quelque chose. Non, casse-toi. Donc, oui, je disais. Ingénieur. Alors, où est-ce qu'il y a The Dweller? Non, c'est pas lui. Non, c'était ça. C'était... The Blaster, pardon. Où es-tu, trou du cul? Ok. T'es juste à côté, en fait. Je pourrais aller voir. Vite fait. On va aller voir vite fait ce qu'on peut faire. On va aller voir vite fait ce qu'on peut faire. Quitte à revenir, hein. Quitte à revenir maintenant qu'on l'a placé le... Le comment, le petit, la petite annotation, tout ça. Mes multicanons. Hop. Alors, pourquoi je fais ça? Donc voilà, alors, vu qu'il me pose la question, je vais revenir dessus. Pourquoi je le fais? Simplement parce qu'en fait, j'ai modifié mes multicanons. Dans une optique de thermal shock, je crois, ou en tout cas, oui, c'est ça, thermal shock, en me disant que ça allait très très bien, et finalement, en PVE, le thermal shock n'est pas bon du tout. Il est même assez mauvais, il vaut mieux les cartouches incendiaires. Du coup, j'avais acheté, pour 2 ou 3 points, 2 points, je crois, les cartouches incendiaires, le thermal shock, et du coup, ouais. Et du coup, bah, l'objectif, ça va être de, maintenant de remonter ces points qu'on a perdus
et essayer de voir si on peut racheter cette fois-ci en incendiaire justement notre modification de multicanon et voir si on peut pas être plus performant. Pour ça, ensuite on farmera normalement de quoi faire pour l'autre ingénieur qui nous intéressait, c'était l'ingénieur pour les missiles qui nous permettront eux aussi d'être plus efficaces au combat, de faire plus de dégâts. Ça va être pour moi me sembler extrêmement important. Je suis désolé, j'ai mes cheveux qui tombent. J'ai mis trop de cire ce matin. Du coup, ils sont tous un petit peu floppy, un petit peu. Hop, voilà. Crac, ça va pas être forcément mieux en termes de visibilité pour vous, chers amis. Je suis désolé. Mais bon. Hop. Voilà, parfait pour la suite. Ok. Donc, monsieur Trophicamp, voilà, vous êtes quand même assez loin, hein. C'est pas très très loin en termes de temps qu'on va y passer, mais... Crac, où êtes-vous, Trodoku? Ok, c'est par là. Est-ce qu'il m'a répondu sur quelque chose? Apparemment, Thermal Shock, c'est très mauvais en PvE. Il faut plutôt prendre un sentier. Du coup, je refarme. Ensuite, faudra que je farme l'ingé missile. Et ensuite, on verra. Ok, on y est presque. Pour aller voir ce qu'on peut faire avec ce qu'on a récupéré. Hop. Ouais, alors ça aussi c'est pas facile. C'est pas la fête. Hop. Alors. On est passé trop près de l'astre. Du coup, on est très très lent. Enfin bon. Ce vaisseau était quand même vachement bien avec son système d'appontage automatique, par exemple. Alors, je pourrais aussi. Certains m'ont dit que je pouvais le faire. Je pourrais aussi mettre une cabine dans l'ASP. Ce qui m'intéressait quand même de voir avant, c'est de voir si. Le Dolphin reste meilleur que l'ASP. Ça, c'est quelque chose de... Parce que si je peux mettre un petit peu d'argent dans la Dolphin, je le fais. Et si c'est vraiment efficace, eh bien, écoutez, tant mieux, hein. Ça permet de changer complètement le gameplay, tout ça. Moi, je demande que ça. Alors, je suis pas sur les bonnes... Les pédales, j'ai pas les pieds dans les pédales! C'est la fin des haricots! Je vais arriver trop vite, ça continue, là. T'es nul! T'es nul! Tu m'entends? T'es nul! Alors? Je suis coincé dans l'espace! Ah voilà, je m'en doutais. Je m'en doutais. Et il y a combien de millions de kilomètres à faire? 31 kilomètres! Hop. Est-ce que je peux? Non, je ne peux pas. Bon, bah ça va être la joie! Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Il y a de la joie. Ah là là. Comment je fais pour... Ben non, je veux pas toucher à mon keybinding, sinon je vais me faire entuber. Hop. Ça va être long. C'est ce qu'elles disent toutes. Bref. Bref, on sait. C'est. En plus, y a pas. C'est pas comme s'il y avait des masses de gravité, vous savez, pour me donner une grosse accélération. Bah non. En plus, de toute façon, vu que je suis pas en mode. Tiens, ce que je peux peut-être aller faire, c'est aller voir sur quelle touche je l'avais mise de base. Commande de vol d'hiver. Vive le vol, vive le vol, vive le vol d'hiver. C'est pas ça? Non. Et moi, pendant ce temps-là, j'ai le vaisseau qui descend. Marcus? Marcus, c'est bon là, on arrive.
Oh blanc. Ah, ça pue. Ça pue, ça pue. Ah, il m'est arrivé une couille. Il y en a qui vont se moquer dur là. Oh, 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 ça fait mal. Ah, ah, je viens de prendre cher. J'ai manqué de me cracher. Ah, ah, faut que j'aille très doucement. Ah, ah. Alors l'objectif c'est de pas prendre le moins de dégâts quand je vais descendre sur la plateforme. Je viens de prendre cher. Ah non, ça marche pas. Risenberg, au secours! Au secours! Je crois que j'ai jamais été. J'ai dû redémarrer le jeu, le chat avait bugué. Le chat bug toujours. Ah non, c'est bon. C'est bon. J'ai juste manqué de mourir. Ok, on a des boucliers. Allons-y. En douceur. En douceur. Hashtag crash. Oh là 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 là. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé ça. Fallait que ça arrive. Il fallait que ça m'arrive. Hop. Ouh. Entrée dans l'hangar, ça fait pas, il y a mon comment mon ensemble qui s'est cassé la gueule. Enfin bon, c'est pas grave. Allez, tiens, tiens, c'est bien. Voilà. Ouh. Heureusement, il coûte pas cher à réparer. On a frôlé la mort. Modifiez votre module. S'il veut bien. Ah oui, il faut que j'attende qu'il soit bien mis. Qu'est-ce qu'on peut modifier pour regrimper tout en haut du niveau 5 hein? C'est ça véritablement la question. Ah bah voilà, je pouvais en fait à la fin. Ok. Non, je peux... Non. Qu'est-ce que... Putain, c'est pas le bon vaisseau! Mais qu'il est con! Mais qu'il est con, le Marcus! Le bon vaisseau! Où qu'il est, le bon vaisseau? Où qu'il est, le bon vaisseau? Mais qu'il est con! J'ai pas d'armes sur celui-là! J'aime bien comment il est passé complètement à l'opposé de ce que j'ai pu faire. Je vais pas lui répondre, je te boude. Mouais. Faut juste... monter une réputation illégale. Ouais, donc là ça me fait chier parce que du coup je me suis mis au mauvais endroit, encore une fois. Donc tu chies dans la colle, Marcus. Si tu voulais arriver, alors là, est-ce qu'il y a bien un pontage, chantier naval, c'est bon. Bon bah c'est là qu'on va. C'est-il là qu'on va? Ok, on y retourne, chers amis. Au moins, on s'est réparé. Ça veut dire qu'on s'est craché pour rien, c'est tout. C'est rien de... de méchant. C'est rien d'absolument méchant du tout. C'est la fête. De mémoire, c'est... Euribia Mafia. Hop. Et puis forcément, c'est pas dans le bon sens! Eh ben oui!
Pourquoi pas? Allez. Pleine puissance, monsieur Zulu. Crac. Ok. Je vais aller voir l'ingé avec un ASP sans armes. Hashtag fait chier. Ok. Bon. Ok, c'est bon, on va y arriver. Oh là 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 là. Bon. Surtout, comme j'ai dit, j'ai manqué le crash en... Ah, merde. Putain. Fais chier. C'est bon, 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 oui, c'est bon. Alors, comme je disais, j'ai manqué le crash à... quoi, 2 km de la... À 2 km de la station? C'est une sale journée pour jouer à Elite Dangerous. Ok. Bonne grosse poussée vers le haut. Voilà. Oh. Ok, on est bon. On est bon. C'est bon. Tout va bien. On s'en sort. C'est la fête. Oh là, pardon. Oh, pardon. Oui, dans le même bateau. Vaisseau. Vaisseau. Blah. Oh. Ou pas encore. Oh non, oh non, ah oui, je préfère, oui. Merci. Merde, faut pas se foutre de la gueule du monde non plus. Service de spatioport, entrez dans le hangar. Où est-ce qu'il est, mon gros vaisseau? Chantier naval. Il est. Pourquoi je l'avais ramené à Haditi? Ça va me recoûter 2 millions de le ramener. Oh putain. Je suis obligé, hein. Je vais pas m'amuser à faire le trajet avec le vaisseau jusqu'à Haditi. Ce qui veut dire que ça va m'en coûter 2 millions sur place pour le ramener. Hein. Donc faudra espérer que j'aurai farmé 2 millions de crédits en combat avec avec Rodrigue et Heisenberg. Oh là 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 là, il y en a pour 1 heure de trajet. Oh là 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 là. Ok, je crois que je viens de d'accepter
votre offre de multicrew pour farmer. Pour farmer les crédits en combat. Non, c'était pour rebind. Non, c'était pour voir mon problème de rebind. Demande à Rodrigue. On en a parlé. Ok, bon bah écoutez. C'est bizarre que j'ai encore 1h20. Pouah là, 1h20 à attendre. Ok. Bon. Eh ben écoutez, chers amis, du coup, nous on va cesser la procédure. Je suis désolé, ce sera rien passé du tout, hein, finalement. À part quelques échanges avec notre ami Heisenberg, il se sera rien passé, je suis désolé. Donc, bien les amis, du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Benus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. La prochaine fois, on aura le vaisseau ici, on pourra voir ce qu'on aura farmé. Et on verra si c'était efficace ou pas comme farm. Salut les gens!